Alors, si vous êtes bien sur Métropolis, la 97.1, 11h47, nous sommes au vendredi 17 septembre 2021. C'est donc le 260e jour de l'année. Très cher ami, c'est donc la fin, c'est donc la conclusion de notre compétition de cette semaine. C'est bien fini pour le Métro Chart. Nous avons 5 chansons togolaises qui cartonnent bien au pays. Qui sont donc dans la compétition. Le chart donne quoi? Le classement donne quoi, cher ami? On l'appelle Katal. Katal, Badou Boy. Désolé, tu es donc dernier avec... Katal, il est donc dernier avec 14 points. 14 points pour toi. Ah ouais, ça n'a pas été facile. Dans 3 jours, tu as amassé seulement que 14 points. En 60 minutes de vote, ça. 20. Ah, Katal. Bon, faut dire... Allô, Mema. Dernier sur 5. Alors, la quatrième position est occupée par qui? Est-ce que c'est Saint-Trinos? Est-ce que c'est Emouredi Giuliano? Est-ce que c'est Kiko Biasenza? Attention, la quatrième position, elle est pour deux artistes. Vous comprenez que c'est donc la combinaison Emouredi et Giuliano. 26 points pour cette combinaison. Vous êtes deux, hein, vous avez 26 points. Non, l'essentiel est que vous avez 26 points, que vous êtes classé 4. Rien sur 5 personnes. Il a bien écrit son texte, lui là. C'est très bon écrit. Il est bien réaliste, quoi. Voilà, la togolaise vraiment. Et Morey en featuring avec Giuliano. Oh, de Dieu, si blabla, vous voyez, deux. On y a mené à la matandi. Bon! Là, c'est chaud maintenant. Hein. Ceux qui sont troisième, deuxième et puis premier là. À mot de point. C'est vraiment chaud. Eddie, je suis désolé de te dire que ton artiste est troisième. Tu le comprends que Senza, malgré sa douce et magnifique voix, et surtout qu'elle a bien chanté, Senza occupe la troisième place. Ah ouais, moi-même, je pleurais, quoi. Parce qu'elle a réussi une fois encore une de ses œuvres. Elle chante très bien celle-là. Elle est magnifique. Elle a dit là, allô. 47 points pour Senza. Et maintenant, il reste Kiko et Saint-Trinos. L'œuvre Aime-moi, ou bien Aime, de quoi vous l'avez dit? Aime encore, voilà. Et donc, Maladie d'amour. Bon. Il reste les deux là. Qui est premier, qui est deuxième? Eh, ma foi, c'était pas du tout facile. Il y a seulement que 2 points d'écart entre les deux. Est-ce que c'est Kiko qui a 52 ou bien c'est 513? La deuxième place est occupée par celui qui va sortir son album ce 18. Saint-Trinos, je suis désolé pour toi. Pour la première fois dans le chart, on t'a battu. Sérieusement même. Parce que Kiko, il n'a jamais eu donc ce titre de champion dans notre chart. Saint-Trinos, Kiko t'a frappé fort. Il t'a battu. Oh, mais l'essentiel, tu es deuxième avec 50 points. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. La maladie, Et nous allons boucler, bien sûr, avec le champion du chart. Le champion, on le connaît. Oui, Kiko. Kiko. Attention, ce chart a été très lourd. On a vraiment eu des très bons, de très belles chansons. Mais le meilleur a gagné. Mais au-delà de tout, on aime toujours les 5 chansons. On les adore. Chers amis, merci. Miaou Wado. Yadogo. Kwashi Lenok Bono. Yoto Minya. Ouais. Cléva. Non, Mano. Faut être Cléva. Cléva. Merci à tout le monde. Champion. La semaine prochaine, là, ta chanson sera jouée sur Métropolis. Toute la minute. C'est le hit de la semaine sur Métropolis. Champion, félicitations et bon courage pour la suite. Merci à tout le monde. Je suis Vicente alias Quadio Choc. On se dit à très bientôt. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. C'est tout.
écoutez Métropolis sur 97 FM.